officiel. Ce sera Camille Abili, c'est cadré. Oui. Le but marqué par Camille Abili, son 7e cette saison, 1-0. C'est platinien, Cécile. Ah oui, c'est très très bien tiré. Elle les travaille beaucoup. Et là, vraiment, vraiment imparable en plus. Puissant, travaillé. Ah oui, imparable. Agar et heureusement pour les Montpellierennes. Claire Laboger avec Amel Majerie. Petit centre d'Amel Majerie au deuxième poteau. Et le but, comme à la parade. Julien Sommer, la meilleure buteuse de ce championnat. C'est sa 11e réalisation déjà, 2-0. On va voir sur ce formidable centre, hein, et Eugénie Le Sommer qui passe devant, devant Sakina Karchaoui. Ouais, grosse faute de marquage, ouais, Cécile. Ouais, ouais. Tout à fait. Et pour l'instant, où ça pêche, c'est sur ses passes un petit peu décisives, ses dernières passes. Il passe à une touche de balle. Attention, Wendy Renard qui a été trompée par Anouk Decker. La réduction de l'écart, bien fait de la part de la Néerlandaise. En très grande difficulté, Anouk Decker, depuis le début de cette rencontre. Ça fait 2-1, Anouk Decker qui inscrit son 2e but cette saison. Grosse, très grosse erreur de Wendy Renard. Ouais, Wendy Renard qui a pris un risque, mais il y avait beaucoup de passes dans la préparation. Un jeu un petit peu dangereux des Lyonnaises et qui a abouti à cette mauvaise passe de Wendy Renard, mais avant il y avait une passe un peu inutile. Koumagaï, dégagement au Julien Sommer, c'en est terminé. Victoire de l'Olympique Lyonnais de 2-1. Lyon reste en tête de cette division féminine. Lyon qui a marqué tôt dans cette rencontre par Camille Abili et Julien Sommer qui s'est fait peur. Vu Grézé-Yoro remplacer Erika et regardez ce beau centre de Sabrina Delannoy, il est idéal pour la tête de Marie-Laure Delis, 1-0. Une belle tête, un très très beau centre, c'est un beau mouvement. Mettre là, elle ne s'est pas manquée sur ce centre de Sabrina Delannoy, la superbe tête en retournée tout en tranquillité de Marie-Laure Delis, superbe geste de buteuse pour donner un avantage logique au PSG qui domine dans cette rencontre, qui n'a pas été perturbée. Lutte de jeu, elles étaient plus dangereuses les Parisiennes depuis quelques minutes. Malheureusement pour les Essoniennes, elles ne pourront pas égaliser juste avant la pause. Il y a ce centre de Julie Soyer, la reprise, regardez la tête de Camille Catala qui vient trouver le poteau de Katarzyna Kędzierniak, manque de réussite. Toujours à l'attaque avec Christiane, on le voit face à Annaïk Butel. On retrouve la Brésilienne dans la deuxième période. Cette occasion pour les Parisiennes avec d'abord ce sauvetage et ensuite avec un peu de réussite. Marie-Laure Delis pour le doublé, ça fait 2-0. Beau mouvement initié sur le côté droit. On a vu des redoublements de passes et entre Christiane et Boquete qui s'arrache. Et puis Marie-Laure Delis à la finition. Grand et beau travail de l'Espagnol. On la retrouve justement la Brésilienne pour prendre de vitesse Julie Soyer. La 65e minute, le service il est parfait pour le triplé de Marie-Laure Delis. Et quel travail de la Brésilienne Christiane. Et Christiane, on le sait, hein, quand elle joue simplement, arrive à distiller de très très bons ballons. Et là on le voit, la prise de vitesse et le centre parfait pour Marie-Laure Delis. 0 et quelques occasions encore. Les Juvisiennes, on l'a vu avec Camille Catala, qui ont eu des possibilités. C'est le cas également en toute fin de rencontre avec cet essai non concluant de Clara Matteo. Et puis la dernière occasion pour les Parisiennes et le poteau trouvé par Grace Gueiro. C'était Oulé Matassar. Ah. C'était bien elle. Voilà, victoire des joueuses de Patrice Terre, 3-0.
Revenir dans les pieds des Retinoises avec Galati. Attention à Cancé, oui, bon tacle de Montaigu, bien sorti. Noiron, il n'y a pas de hors-jeu. Noiron, à hauteur de la surface, et c'est l'ouverture du score après une demi-heure de jeu. Vanetta. Cancé qui fait le tour, Cancé dans la surface, Cancé en retrait, attention, Noiron, deuxième but. Oh, ça commence à faire cher, ça commence à faire cher, 42e minute de jeu. Ah, ça va être difficile, ça va être très très difficile pour revenir. Il va falloir faire une deuxième mi-temps exceptionnelle. Elles n'ont pas su marquer quand il le fallait, les Bordelaises, elles ont eu les situations. Et alors, avant le début du match, on applaudit encore le jeu de notre...